ne balunda ele já é o som do agiro Mbote, mbote na bino banso, bande kona biso babolingo. Voilà, moi yo en banso, banabetou, ba mbouleba, ba kongo. Na wa salimi ya nini wote, wa semadjo wa lugala ki swahili. Nor kivu, sud kivu, ituri, manyema, le grand katanga, voilà, djambreno. Bampang la beto, bampang ya yandinga, ndinga ki Congo. Mbotena beno, mbotena beno. Voilà. Nous devons mettre en valeur les langues de chez nous. Hein. Et voilà. Mais en attendant, bon, on peut parler en langue officielle. Voilà, chers compatriotes, comme vous pouvez le voir dans les titres, Constant Mutamba est revenu en force. Constant Mutamba a zongi na makasi, makasi, makasi ya kosa kanate. Si koyo batou yo ba mekaki kosi el a ye poison, peut-être ba ebanite, bon. Ba preuve exacte, bango mokonde, ba yebi, bango. Donc, Constant Mutamba a lobi ba dossier nyonso oyo, a tikaki oyo a indexaki. À contre-traiter Yango, il va aller jusqu'au bout de sa logique. Et oui, il a le soutien du président de la République. N'oubliez pas que le président de la République a dit que il soutient Constant Mutamba et il attend des réformes dans la justice. Sans blague, hein, chers compatriotes. Eh oui,
président de la République a zali causé la barre réforme. Yewana. Yewana, ye a sakanakate. Soyez sur vos gardes, soyez sur vos gardes. Il est là, Constant Mutamba. Sans peur. Le joker du président de la République. Ah oui, il disait que la justice est malade. La justice est malade. Voilà le médecin. Le médecin, il est là. Oui, le médecin est là. Voilà, chers compatriotes, nous allons un peu lire dans les médias ce qu'on dit là-dessus. Qu'est-ce qu'on dit là-dessus? Et oui, nous lisons ensemble parce que c'est bien crédible. Donc, Ezali Fake News T Azongi Asolo. Constant Mutamba a regagné Kinshasa après un séjour médical en Turquie. Donc, Azalaki na Cuba, les réseaux sociaux, ça publie ce que ça veut publier. Bon, mais il y avait une vérité là-dedans. La vérité, c'est qu'il était parti quelque part. Bon, Polani Babandai Kolobakeake na Turquie, na yebite. Azongi, Azalaki na Turquie. Peut-être Azalaki déviation ya pisa pour Batubalanda yete. Ah oui, les services secrets peuvent fonctionner aussi comme ça. Oui. Le ministre de la Justice et garde des Dissous, Constant Mutamba, a bel et bien regagné Kinshasa, capitale congolaise, samedi 14 septembre, après son bref séjour passé en Turquie pour des soins médicaux. Cette confirmation émane des sources dignes de foi. Son entourage, contacté par la rédaction. Alors, la même source rassure par ailleurs que le ministre d'État, Constant Mutamba, s'est complètement remis en forme après un traitement conséquent de la part des médecins qualifiés. Vous savez, chers compatriotes, quand on a été empoisonné, bon, on recherche des antidotes, hein. On recherche des antidotes, on analyse. Si c'est quelle sorte de poison, et bien, on pique des antidotes, hein. Oui. Et quand on ne connaît pas vraiment l'antidote, on peut en essayer plusieurs. Hein. Et voilà, il s'est remis en forme. Oui, la même source rassure par ailleurs que le ministre d'État Constant Mutamba s'est complètement remis en forme après un traitement conséquent de la part des médecins Bandeko. Constant Mutamba va poursuivre les réformes entamées dans ce secteur. Dans le secteur de la justice. Hein. Baraté, Banguna Baraté Bandeko. Désolé, excusez-moi, ça donne un peu de joie. C'est pour ça que j'ai ri un peu. Hein. Ben, c'était un jeu, ils ont joué, ils ont raté, ils ont échoué. Yewana Zongi, à profiter. Plusieurs mouvements de soutien à Constant ont été enregistrés ces derniers jours à Kinshasa contre les menaces à l'encontre du patron de la justice. Les manifestants ont notamment sollicité de la part du chef de l'État un renforcement de la sécurité pour Constant Mutamba. Eh oui, pour rappel, le président de la République, Félix Tshisekedi, a, au cours de la première réunion interinstitutionnelle présidée vendredi dernier, appelé les instances concernées, notamment le ministre de la Justice, à poursuivre les réformes amorcées. Eh oui, à Bendaki Baninga, Naeo Bazalakiwana, Oyo Badirija Kambokoyo, c'est-à-dire la première ministre Azalakiwana, le président de quoi encore de la justice
Dieudonné Kamuleta, il était là. Il y avait le président du Sénat, Sama Lukonde. Et il y avait le caméléon. C'est pas moi qui l'appelle caméléon, c'est le peuple qui l'appelle caméléon. Le président du Parlement, que le peuple ne voulait pas, mais bon, que le président de la République a imposé pour les raisons que lui-même connaît. Ah oui. Qu'est-ce qu'on peut, parce qu'on dit que le président, lui, il est le mieux informé de tous. Il connaît des choses que le peuple ne connaît pas. Il sait pourquoi il a imposé Vital Kamerhe. Le peuple n'en voulait pas. La base n'en voulait pas. Il y a eu des manifestations de toutes sortes pour que Kamerhe ne passe pas président de la chambre basse du Parlement. Voilà. De même que Sama Lukonde, personne n'en voulait comme président du Sénat. Mais, oui. Les membres de l'UDPS voulaient bien qu'il y ait quelqu'un de l'UDPS président du Sénat. Ils avaient proposé le frère du président de la République. Il s'appelait encore, comment il s'appelait? Roger, je ne sais pas comment. Tshisekedi. Et quand on a mis ça sur le net, dans les réseaux sociaux, oh là là, ça a enflammé la toile. Ça fait le tour de la terre tellement. Les Congolais voulaient voir. Roger Tshisekedi, président du Sénat, eh bien, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Ce n'est pas ce que le président de la République voulait. Bon, lui, il a voulu que ce soit Sama Lukonde, président, candidat unique, président du Sénat. Mais de toutes les façons, il ne fut pas candidat unique. Il était challengé par des candidats malheureux comme Jonas Moukamba, le nonagénaire. Jonas Moukamba. Voilà. Ces quatre personnes-là qui ont participé à la réunion interinstitutionnelle présidée par le président de la République étaient considérés par le peuple comme des traîtres, comme si c'était eux qui avaient monté une cabale contre le ministre Moutamba. Oui, et pour preuve, la première ministre avait recadré le ministre en le traitant de populiste. Oui, voilà. Ce qui n'est pas normal, alors que c'est elle qui devait, hein, Souminois, Judith Souminois, la première ministre, c'est elle qui devait être contente des réussites, des propositions de Constant Moutamba. C'est son ministre de la justice, elle est première ministre. Mais elle a recadré le premier ministre, qui était soutenu par le peuple. Et voilà, le président a dit, ou c'est les réformes, ou c'est rien. Eh oui. Voilà, chers compatriotes, nous allons passer à l'information suivante. Cette Kikuni Abiki Asekui. Nalobi, cette Kikuni Asekui, pourquoi? Parce que Balobaki était cette Kikuni Akufaki. Bon, Akufaki, mais à mon ami. Cette Kikuni, à mon ami. Donc, ALER, Agence nationale de renseignement, à Zwaki décision, Yakotindaye. Na parquet à cour d'appel. La cour d'appel de la Gombe. Eh oui, pour ceux qui ne connaissent pas le candidat malheureux à la présidence, c'est Kikuni, ce jeune homme-là. Bon, il s'était désisté pour
Moïse Katumbi. Donc, les autorités, la justice avait mis la main sur lui. Donc, le service de renseignement, l'ANR, l'Agence nationale des renseignements, avait mis la main sur lui. L'ont gardé au silence pendant quelques jours pour des renseignements. Et voilà, il est en état d'arrestation parce que il n'a pas été libéré, il a été envoyé à la cour d'appel de la Gambie. Vous savez ce qu'il avait fait, chers compatriotes, vous le savez, hein. Il est apparu dans les réseaux sociaux, il n'est pas Katangais, il est parti au Katanga. Et oui, pour obéir aux ordres, peut-être aux ordres de Moïse Katumbi, parce qu'il est d'ensemble, il soutient ce truc-là. Oui, il s'était désisté pour Moïse Katumbi qui avait eu aux élections 18% de suffrage. Il est parti au Katanga et il prend le courage de monter le peuple katangais. Dans son adresse au peuple katangais, il disait « Vous êtes des courageux, vous êtes des révolutionnaires. Qu'est-ce que vous attendez? Regardez comment vous êtes traités par Chilombo, comme ils disent. Hein. » Et pour minimiser, il appelle Chilombo. Il n'appelle pas Félix Tshisekedi. Il appelle Chilombo pour minimiser. Pourtant, dans d'autres pays où il y a l'opposition, ils ne mettent pas l'accent vraiment sur le mot opposant. Ils parlent de la droite, ils parlent du centre, ils parlent des partis politiques de gauche, quelque chose comme ça. Et là, au Congo, en RDC, ceux qui se font appeler des opposants, ils interprètent mal le mot opposant. Pour eux, opposant, on dirait que ça veut dire ennemi. Hein? Ennemi du pouvoir. Oui, parce qu'ils se mettent à insulter le pouvoir. Insulter le pouvoir, quoi? À émettre, je sais pas, des propos haineux pour soulever la population, pour créer une rébellion. Et nous apprenons déjà que le Rwanda a fait appel à trois gouverneurs du Grand Katanga là, pour créer une rébellion M24. Ça, c'est des rumeurs. Oui, mais les rumeurs deviennent parfois des informations réelles, hein, chers compatriotes. Na ba période ya mabutu na ba bandaki ko benga yango radio trottoir. Okoyo ka radio trottoir, mais quelques jours après, bomoni ba information wana na kati ya ba journaux. Eh oui, ça s'est passé dans ce pays. Alors, Balobini, Sept Kikuni. Sept, c'est quel prénom ça, Sept? Ouais, j'ai vu ça parmi les noms, les prénoms des pharaons d'Égypte. C'est là où j'ai vu, là. Séti, ouais, Séti premier. Des noms des pharaons comme ça. Eh bien, bon, son prénom, c'est Sept, comme il écrit là, Sept. Cette Kikuni. Oui. Photo naïe, yangwana, pola, ba oye, ba yebiyete. L'opposant Cette Kikuni a été transféré le vendredi 13 septembre 2024. Avant-hier, par l'Agence nationale des renseignements ANR, au parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Il y a été auditionné
en présence de ses avocats Bandeko. Certaines informations ont fait état d'une probable disparition de cet opposant dans les prisons de la NER. Il y en a même qui ont dit qu'il serait mort. Oui, comme Olivier Kamita, tout. Il a fait sous-entendre qu'il serait mort. Parce qu'il se disait, on ne sait pas s'il est vivant ou s'il est mort. Eh bien, les haineux de la République ont relayé l'autre partie de l'information que cette Kikuni était mort. Et là, c'est quoi? Il est ressuscité pour eux. Eh oui. Cette Kikuni a été arrêtée au lendemain de la tentative d'évasion qui s'est déroulée à la prison centrale de Makala. Dans la nuit du 1er au 2 septembre, il avait accusé le président de la République, Félix Tshisekedi, d'être le principal responsable de cette tentative d'évasion. Eh oui, officiellement, il a été accusé de cela, mais la réelle raison, c'était l'appel à la sédition du Katanga, à partir du Katanga où il parlait en public, où il le disait publiquement. Eh bien, chers compatriotes, il risque 7 ans de prison, ou il risque plus. Voilà, chers compatriotes, il risque d'être condamné pour 20 ans. Eh oui, eh oui. Bon, comme quoi, c'est la justice, hein. Quand on dit liberté d'expression, ça ne veut pas dire liberté, ça ne veut pas dire licence. La liberté d'expression ne veut pas dire vous convoquez des gens, vous commencez à faire l'éloge de la rébellion, vous incitez les gens à se révolter. Vous les Katangais, vous êtes des révolutionnaires. Ça veut dire, révoltez-vous. Hein? Vous dormez. Voilà comment il parlait. Hein? Et voilà, ça c'est vraiment un appel à se révolter. Hein? Et surtout là, au Katanga, il y a les Bakatakatanga. Il y a aussi des Katangais qui font partie de l'AFC. En commençant par le faux Katangais Joseph Kabila, parce que le président de la République a dit que l'AFC de Corneille Nangaa, c'est Joseph Kabila. Joseph Kabila, il est considéré, parce que Laurent Désiré Kabila est venu avec lui dans ses bagages comme fils adoptif. Ben, il est considéré comme Katangais. Et c'est là que cette Kikuni est partie faire son discours. Mais ce n'était pas un discours, c'était un appel à la haine, un appel à la révolte. Oui. Voilà, chers compatriotes, à part ça, nous avons appris que le président Félix Tshisekedi s'est rendu chez l'ancien président du Sénat, Kengua Dondo, qui fut dernier premier ministre de Mobutu. Il avait démissionné, il avait fui aussi la rébellion. Eh bien, le président Félix Tshisekedi s'est rendu chez lui. Le problème, chers compatriotes, c'est qu'on dit que rien n'a fuité de l'entretien de Félix Tshisekedi
avec Kengo Wadondo. Bon. Voilà, chers compatriotes, vous savez, en politique, vraiment, on peut dire que il n'y a rien pour rien. Donc, moi, je pense pas que cette visite-là soit une visite comme ça, par hasard. Je ne crois pas, chers compatriotes. Le président de la République qui rend visite à Kengo Wadondo, je ne crois pas au hasard. Hein. Je pense que s'il s'est rendu là-bas, ils ont échangé sur la politique en général. Hein. En ce moment, nous sommes en guerre et puis il y a des problèmes avec la justice. Une justice malade, on trouve le médecin de la justice, Constant Mutamba. Et qu'est-ce qu'on fait? Une tentative d'empoisonnement. On l'a empoisonné, ce n'est même pas une tentative. Hein. Donc il a été sauvé en Turquie,
Soins médicaux, il a été traité. Et maintenant, nous apprenons que il est en forme, complètement en forme. Ah oui, puisque les médias le disent, c'est que il est en parfaite forme. Il est revenu pour travailler. Et d'après les sources, il a dit que il continue les réformes. Et le président de la République a insisté là-dessus. Il a insisté en disant que il tient beaucoup aux réformes. Et j'ai vu une vidéo là où il parlait à quatre. Il y avait le président de la chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, qui parlait à côté de la première ministre, à côté de Doné Kamuleta Badibanga, le président du conseil supérieur de la magistrature, et à côté également de Samalou Kondé, le président du Sénat. Il parlait, entre autres, il a dit que il va tout faire pour qu'il y ait des réformes dans le domaine de la justice selon les recommandations du président de la République. J'ai entendu ça. Oui, j'ai bel et bien entendu ça. Voilà, chers compatriotes, qu'est-ce que les écrits disent là-dessus? Rien de spécial, hein? Donc, juste une historique. Une historique sur Léon Kengo Wadondo. Eh bien, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, s'entretient avec Léon Kengo sur la situation générale de la RDC. Mais rien n'a fuité. Oui. Il convient de souligner que rien n'a filtré de cet échange. C'est ça qui est écrit, hein. Ça s'est passé le samedi 14 septembre. Il s'est rendu dans une visite de courtoisie chez l'ancien président du Sénat et patriarche de la politique congolaise, Léon Kengo Wadondo, chez lui à Kinshasa. Eh oui. Oui, oui, il fut procureur également de la République. Hein. Il était parti, mais il était quand même revenu. Il était quand même revenu. Après l'attaque de l'AFDL. En 2003, il rentre à Kinshasa et apporte son soutien au processus de transition. Mais il est par la suite empêché de quitter le pays à la suite de l'ouverture d'un dossier judiciaire contre lui pour des faits liés au feu maréchal Mobutu. Mais plusieurs parlementaires protestent contre cette procédure. Il renonce à se porter candidat à l'élection présidentielle de 2006. En clair, Léon Kengo Wadondo a été entre 1968 et 2019, notamment procureur général de la République, ministre des Affaires étrangères, plusieurs fois premier ministre sous Mobutu, président du Sénat sous le président honoraire Joseph Kabila. Je peux vous rappeler une chose, sous Mobutu, quand il était procureur général de la République, chers compatriotes, il n'a pas eu pitié des condamnés à mort. Hein. Donc, il était connu pour faire pendre des condamnés à mort à la prison de Makala au petit matin. Le petit matin, c'est à 4h du matin, 5h du matin, et quand il fait encore noir, et on pendait les condamnés à mort. Là. Est-ce que le président de la République est parti chez lui, lui demander des informations là-dessus? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que le moratoire sur la condamnation à mort a été levé.
il y a eu des condamnations à mort. Depuis que le moratoire a été levé, jusqu'à présent, nous n'avons pas entendu qu'il y a eu des exécutions. Par ailleurs, je me souviens qu'à l'époque de Mobutu, quand Kengo était procureur de la République, nous avons appris que il ne rigolait pas avec les condamnations à mort. Il était réputé pour les faire pendre au petit matin, comme on disait à l'époque. Quand on dit petit matin en RDC, c'est à l'aube, hein. Quand il ne fait pas encore jour, il ne fait pas trop nuit, ben, entre 4h et 5h du matin, par exemple. Est-ce que le président Félix Tshisekedi est parti demander des conseils en la matière? Je ne sais pas. De toutes les façons, on dit que la justice est indépendante, mais lui, il est le magistrat suprême. Il peut avoir... il a un droit de l'œil là-dessus. Il est au-dessus de tous les magistrats. Et voilà. Je n'ai pas dit qu'il est parti pour ça. Donc, je soupçonne. Ouais. Voilà, voilà, voilà. Lui, c'est quelqu'un... Bon... On lui a dit plusieurs fois qu'il se comportait comme un pasteur. Eh bien, la RDC n'est pas une église. La RDC n'est pas une église. C'est ça que nous lui disons tout le temps. Et même pour qu'il y ait des condamnations à mort, il y a des hésitations jusqu'à présent. Pourquoi? Pourquoi? Le pays est menacé dans sa partie est. Que veulent les pays de l'OTAN en utilisant le Rwanda, Paul Kagame et l'Ouganda, même s'il fait semblant d'arrêter les compagnons de Corneille Nanga. Oui, on sait qu'il y a encore des Ougandais à Bunaga. Ouais, parce que nous n'avons pas encore récupérer complètement Bunagana. Paul Kagame n'a pas encore retiré ses troupes. À Luanda, ça a capoté. Ils ne se sont pas entendus à Luanda. Et la délégation rwandaise n'y était même pas présente. Et voilà. Ils ont avancé des conditions que la ministre Kayi Kwamba Wagner a refusé et l'a rejeté. Ils sont revenus. Hein. Ça s'est terminé en queue de poisson. Donc, maintenant que nous avons derrière nous la Chine et les pays du BRICS, nous sommes forts. Nous allons utiliser nos armes. Nous pouvons attaquer le Rwanda. Maintenant, le Rwanda veut la guerre. Il va avoir une guerre totale. Hein. Nous sommes capables. Le président a promis ça. Eh bien, c'est ça qui risque d'avoir lieu, chers compatriotes. Eh bien, chers compatriotes, à part ça, nous avons appris également, nous avons vu ça dans les réseaux sociaux, vous aussi, chers compatriotes, vous avez vu dans les réseaux sociaux que Joseph Kabila s'était rendu à Bruxelles. Oui, l'ancien président s'est rendu à Bruxelles. Mais pourquoi? Pourquoi? Oui, permettez. Ce Kabila-là, où est sa tête? Qu'il montre sa tête. Il ne montre pas sa tête. Il ne veut pas montrer sa tête. Eh bien, je pourrais avoir sa tête d'une façon ou d'une autre.
Oui, je le vois là-bas. Oui. On peut se contenter de ça. Bon, Joseph Kabila à Bruxelles. Moi, je suis Thomas là-dedans. Il s'est rendu à Bruxelles. Il a eu des conversations avec Louis Michel ou Charles Michel, ses amis d'autrefois. Bon, maintenant nous apprenons qu'il se trouverait à New York. J'ai appris dans les réseaux sociaux comme vous qu'il se trouverait à New York pour une probable candidature. Comme secrétaire général à l'ONU, est-ce que vous êtes de Saint Thomas comme moi? Je n'y crois pas. Joseph Kabila n'a pas de qualité. Il ne remplit pas les conditions pour devenir un secrétaire général de l'ONU. D'abord, il y a une plainte déposée contre lui par la RDC à la Cour pénale internationale. Eh oui. Et il est impliqué également dans les pillages et dans la complicité, dans la complicité avec le Rwanda, dans les pillages du Congo et l'occupation même du Congo, les brassages, les mixages, il est responsable de tous ces crimes-là. Qui peut accepter un tel énergumène à la tête de l'Organisation des Nations Unies? Je n'y crois pas. Il y serait parti pour d'autres raisons. Peut-être qu'il veut revenir au pouvoir, comme on dit. Et quand le président de la République a dit que l'AFC, c'est lui, bon, comment quelqu'un soupçonnait de tels actes, de tels soupçons, serait-il accepté par quel pays? Et qui a l'audace d'aller proposer Joseph Kabila comme futur secrétaire général de l'ONU pour remplacer Antonio Guterres? Ah non! Nous ne sommes pas d'accord, nous ne sommes pas d'accord, chers compatriotes. Eh oui, voilà. Je peux aussi vous dire que, pour terminer, que il y a eu 37 condamnés à mort. Le procureur, le ministère public avait demandé 50 condamnations à mort, 50 ou 52, oui, mais autour de 50. Il se fait que finalement, ces 37, il y a eu 37 condamnés à mort. Les autres, peut-être, je sais pas. À certaines peines, il y en a une personne qui a été acquittée. Voilà, chers compatriotes, nous terminons en disant que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Et comme Constant Mutamba est revenu, nous terminons sur un pas de danse.
Chani wa bangalad, ujumutwa zambi wa misumba, wakulimelewe